élément ba ministère ya kilo oyo une ba poste moko ya l'état ya kilo alors que vous ne représentez pas à vous tout seul un tiers de ce dont on a besoin. Donc c'est pour cela que je dis qu'il faut que chacun revoie ses prétentions à la baisse pour nous servir comme. Mais sur la liste, en tout cas, parce que j'ai cette liste-là, peut-être qu'il fallait qu'on a préparé un mot. Sur la liste, il y a des partis politiques qui ont enregistré dans l'Assemblée nationale, tout le regroupement. Il n'y a que le PPRD, il y en a plus de 50. Et la MLC, UDP, il y en a 31 députés simplement. Donc, ce qui est à la FCC, c'est qu'il faut battre ensemble la MLC, si comment on va constituer la MUCA en quelque sorte. Bon, le problème, on voyait, c'est pour cela que Jean-Pierre Bemba il est beaucoup à se déplacer. Ils ont représenté les députés à l'MLC. Ensemble, ils sont représentés par Katumbi, les députés Naba. Donc, à eux deux, par parti Nabino, ils ont besoin d'un. Tout le monde là-bas a fait, il y a beaucoup moins, tout à l'heure, il parti. PPRD, ils ont 50. Il y a PPRD. Mais dans 4 à 50, il y a déjà les 50. Vous comprenez 39, selon l'IAO, on a beaucoup à Jean-Pierre. Donc, ce sont des députés nationaux, ils ont le droit. Donc, à partir du moment où ils sont déjà traînés, ils représentent à poids. Mettant le poids, ils disent voilà, nous peut-être on va représenter un mouvement, dans quatre mouvements, ils sont passés sur autant de ministères, ils sont montés par des rocambolants. Ça s'est fait comme ça, des associations pour des intérêts convergents pour voir comment nous allons départager les postes. Mais dans tous les cas, nous avons, en tant que peuple congolais, le souci qu'un gouvernement d'Union nationale se mette vite en marche pour résoudre les problèmes des Congolais immédiatement. Parce que les problèmes ne cessent de s'alourdir. La crise de Covid-19 laisse des traces sur l'économie nationale. L'inflation n'en parlons pas. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui font que les indicateurs montrent que le Congo va mal. Donc j'ai l'impression qu'on est dans une période de statu quo où même Ilunga est en train d'expédier des affaires courantes, alors que nous avons besoin d'avoir une armée gouvernementale qui fonctionne, qui va au-devant des préoccupations des Congolais au quotidien. Voilà, avant que tu n'as pas parce que tu as au moins quelques minutes, tu as dit la déclaration en Goïmoulunda, comme ça, tu as ici, mon amboukaba, tu as dit que tu lié au Yamakambo, à Union Sacrée, à Sali Point de Presse, lobby à lobby, la consultation officielle, les Akuba Namokolo Aledo, le 20 janvier 2021, à lobby à l'Imbissi. Définitivement, enfants prodigues, notamment Nene Koulou, Mbika, Steve, Koyoko Zonga, Lissousou. Est-ce qu'il faut estimer que YP a reconquéré Lissousou majorité pour espérer la répartition ministérielle de Wana? Non, ce qu'il a démontré hier, ce qu'il a exprimé hier, c'est l'expérience. Moni, sénateur Bahati, il n'est pas un enfant dans la politique. Je me souviens d'une déclaration du Kamer qui a dit qu'en stratégie politique, Vienna Epi. Et qu'avec son expérience, il a tellement connu des trahisons, des dissensions, des querelles, et qu'il sait que ça n'a jamais rien apporté d'intéressant. Et qu'il est plus important pour lui de se concentrer sur les problèmes qui fera de lui demain encore un grand homme pour ce pays en termes de politique. Alors, il au film avec Ndabosa, il y a un FDC. Il y a un mouvement qui a dit FDCA. Bah créer qui est cocosse la quatia regroupement naï habit entre les loges comme on dit les loges ça se lève en famille bosonga wana to aibiye moko par expérience que beaucoup vous avez été instrumentalisés maintenant la problème habit on a problème monte instrumentalisé qui donc aza qu'on a besoin de pour justice et rendre un certain nombre de décisions bah tu n'as bosonga on a besoin de y a ni ni on a besoin que regroupement naï evanda ezana boje objectif dans les prochaines années fort. Et chaque groupement cherche la même chose. Chaque parti cherche la même chose. Maintenant, c'est une question de comment faire pour obtenir cela. Monsieur va passer un bon mozonga. Monsieur va lui dire non, on vous accorde l'immunité. Venez, Boyato va dans la mission de quelque chose. Tout est dans la négociation. Ce qui a accordé, par exemple, Steve Mbika, il y a 9 députés, il y a parti travailliste, il y a un évité exactement le nombre de députés. C'est qui il y a 43 jusqu'à donc si on a Steve a déjà PPRD, si on a battu Nene Koudou, c'est que finalement il y a un capé en tête, il y a liste. Cela irait de soi. Moi je pense même que dans le bac, on a toujours perdu autant d'abysso pour rien. La désignation du formateur, de l'informateur, pour moi, cela devrait aller de soi qu'il soit nommé en même temps formateur et premier ministre.
Donc il faut qu'on arrête de tergiverser, de faire comme s'il y avait une espèce mais de suspense. Mais il y a il y a probabilité ou non que ça va faire battre le premier ministre et puis il va proposer mon avocat de Yahou pour l'Assemblée nationale. Yahou est pensé qu'il quitte. Non, il pensé le côté. Non, le président l'a dit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelque chose paraît évident que ça va se passer. Lui-même, bah, tu peux dire non, non, je n'irai pas en primature. Je préfère que vous donnez à quelqu'un d'autre, on verra si. Mais voilà, il n'a pas besoin de briller, d'être primature pour exister. Il y a d'autres combats politiques qui doivent s'amener. Donc il est vrai que et primature, ce n'est pas l'Assemblée nationale, c'est autre chose. Donc voilà, il y a une réalité, c'est qu'il peut ou ne pas l'être, mais il est probable et il irait de soi qu'il le soit, à la formateur et premier ministre. Il irait de soi, donc voilà. Alors, jusqu'à là, aucun franc déboursé pour mon salaire qui est informateur. En toute sincérité, il faut le et voir. Et aussi, à l'objet, tu es à la posséder à mon ensemble pour se retirer dans l'union sacrée. À l'Iribatik, alors on a mais là, comme tout ça, l'objet a vu bateau, non, ce bazar pour le bac et mon condamné, beau car vous avez tiqué d'abord, on a 2023, bazar. La démagogie, c'est des flatteurs. Il est tout à fait dans le vrai, déjà, un, et c'est le rôle il va même au-delà du rôle de l'informateur qui est d'identifier une majorité. Il est dans un rôle de rassembleurs. Il faut rouler un jeu de consensus qu'à un moment, il faut laisser de côté les guerres qui n'apportent rien. Il a bien dit, il a récité que nous avons échoué. On a beau le dire, même s'il dit que moi, mon bilan est positif, mais quand on a fait partie d'un gouvernement où le gouvernement est en faillite, il a amené le pays vers l'Élysée, on ne peut pas dire qu'on est en réussite. Il y a une cohésion. Donc un ministre, comme on dit, un ancien ministre français, un ministre, ça ferme sa gueule ou bien ça démissionne. Donc à partir du moment où vous êtes dans une cohésion, vous êtes dans une équipe gouvernementale, tu soutiens l'action du gouvernement ou tu ne soutiens pas, tu te retires. Tu veux participer à la réussite du gouvernement. Si le gouvernement échoue, vous avez échoué. Mais je pense qu'il joue bien ce rôle qui est avec la sagesse qu'on lui connaît, avec le temps et l'expérience, de dire qu'il y a un temps pour tout et aujourd'hui nous sommes plus que jamais en besoin. Il y a nécessité à vous l'Isamna pour la conserver le peuple congolais. Avant de partir du côté à Ngoï Moulunga, le fait que le président de la République nomme un informateur, le fait qu'il est en train de chercher à rafler une majorité absolue, disons ça comme ça, avec cette histoire de union sacrée, finalement, à quoi vise le président? On a oublié qu'il est président, mais là, on est président de la Rokanissa, pour ça, la finale. Non, il va de soi qu'il a besoin d'une majorité dans l'Assemblée nationale pour former gouvernement. Le gouvernement est fonctionné. Ceux qui majorité dans l'Assemblée nationale, le mieux c'est le gouvernement. Moi, quand on se côté, à bisotte se retire, motion, gouvernement pas compris. Donc, toi, on a besoin de stabilité. Sous stabilité, dans l'Assemblée nationale, majorité s'identifier. Gouvernement, ils en a qui. Mais gouvernement, paye au salaire, sous Yamibeko, il y a supervision à chef de l'État pour na resservir le programme et non sacré. Donc, nous avons rappelé aussi que ce sénateur Bati a passé un certain nombre d'orientations politiques pour permettre que Toyimi Tozo Kendebou. Donc, c'est aussi ça notre particularité. On a la clarté, le Baki Tozo Kendebou. Donc, au bout d'un an, nous sommes notre population. Bilan. Donc, chef d'État, lui, qui est responsabilité des armes. Et il est vrai, 2023, c'est lui qui sera sanctionné. Donc, il est normal que c'est lui qui mène l'action. Donc, ils cherchent la majorité confortable et c'est légitime. Voilà, Toko Tapona Kouchite, dans ce qui concerne les propos, il y a Ngoï Moulunga, il a déclaré que si vous voulez que les Katanga ne soient pas coupés, il faut apprendre à respecter Joseph Kabila, qui est, je ne sais pas, entre parenthèses, leur père, leur fils. Il faut apprendre à respecter leur mère, Olive Lembe. Est-ce que finalement, l'avenir du Katanga en tant que grand Katanga, disons ça comme ça, en tant que contrée de la République démocratique du Congo, dépend de l'avenir politique de Joseph Kabila? Je crois que celui qu'on appelait le pasteur a tout d'un homme politique, rien d'un pasteur en fin de compte. J'ai suivi de quoi il s'agissait. En tant que jeune, en tant que Congolais, en tant que républicain, j'étais outré. Et à la fois même, je regarde certains tweets et je suis...